Bonsoir et bienvenue sur Indécent Podcast. On est le jeudi 21 décembre. Vous sentez cette petite odeur de fête qui approche? Ouais, c'est bien, moi aussi. Tout le monde en fait. Que du bonheur, voilà, les fêtes approchent. Donc hier, vous avez vu Antoine faire mumuse dans Warhammer 40K Darktide. Faire mumuse, en fait, la dernière mission, il s'est bien fait éclater la gueule. J'adore hein, le voir rager, c'est tellement bon de voir ses petits camarades rager. Et on le reverra normalement demain. Alors est-ce qu'il va refaire du Darktide ou autre chose? Voilà, petite question. Bref, ceci dit, on n'est pas là pour ça ce soir. Déjà, je vais faire un petit coucou à ceux qui sont déjà dans le chat. Donc, ben, bonsoir Olive, bonsoir Atsu, bonsoir Sloopy, bonsoir Petit Gilles, bien sûr. Voilà. Et puis, ben, bonsoir à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la soirée ou qui nous verront en replay. Puisque je le rappelle à nouveau, je le redirai à la fin de l'émission, cet entretien sera rediffusé sur YouTube dès demain avec le chapitrage, les liens qui vont bien, etc. Comme ça, connaître un peu la chanson, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ceci dit, ce soir, on va recevoir un nouvel éditeur qui a lancé un financement participatif il y a déjà quelques temps, qui vient de sortir il y a pas très longtemps auprès des souscripteurs, à savoir donc l'équipe de Primorum Édition pour Dystopie, le jeu de rôle. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Alors, tout le monde. Ouais, ça faisait un petit moment en fait qu'on se courait un peu derrière, hein, parce qu'on avait fait un trimestre, hein, vous connaissez la notion du temps chez un des podcasts, donc on avait fait un mois dystopique qui avait duré 3 mois, donc on vous mettra le lien dans la description de la vidéo YouTube, hein, parce qu'on a fait une vidéo sur la dystopie en littérature, cinéma, etc., la dystopie en jeu de rôle, et on avait fait du Blade Runner aussi, enfin tu vois, il y a eu pas mal de trucs, et donc bah, en fait il manquait vous, donc on va dire que le mois de février s'est décalé jusqu'à fin décembre, c'est magnifique. Voilà. Et donc, a priori, j'ai encore frisé. C'est nous? Non, c'est nous. C'est moi. Ah, oui, non, c'est bon, on a récupéré. C'est pas très grave. Tant qu'on arrive à entendre au fur et à mesure, s'il y a des micro-frises, après, on fera un petit traitement image. C'est pas un souci. Donc, comme je disais, bah, en fait, voilà. C'est le... Salut Patrick d'Obéa Édition. Salut Patrick. Eh oui. Et oui, parce que c'est vrai qu'on s'était croisé Octogone, pas cette année, mais l'an dernier, hein, que vous étiez avec, avec le centre d'OBA, entre autres, hein, il me semble bien. Ah bah c'est grâce à Patrick qu'on était présent, hein, et on le remercie encore en live, là, du coup, pour le coup. Deuxième fois. Ouais, tiens, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est moi qui frise ou si c'est eux, vous pouvez nous le dire dans le chat, hein, pour voir un petit peu si c'est... si le souci vient de l'un ou de l'autre. Voilà. Bah écoute, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est plutôt que d'avoir le live démarre bientôt en bannière, on va commencer gentiment par ceci. Je vois juste le commentaire. Pour l'instant, pas de frise. D'accord. Bon, bah écoute, c'est que nous qui le voyons, donc... Bon ça va alors. Ça va bien. Ouais, tant pis. C'est nous qui frisons, c'est pas grave. Donc, bah écoute, on va commencer tout de suite ce soir par la question de base, hein, savoir qui vous êtes, quel est votre parcours et comment vous en êtes arrivé à créer un jeu de rôle. On va voir après la genèse de Dystopie lui-même, mais votre parcours, comment vous êtes tombé dans le jeu de rôle et tout ça, quoi. Voilà, je vous laisse commencer. Allez, très bien. Bon, alors pour moi, je pense que je vais répondre un petit peu, enfin, Adrien confirmera sans doute, mais on est tombé dans le jeu de rôle
tout gamin, en gros ado. Hein. Moi, c'était quelqu'un qui habitait près de chez moi, une sorte de grand frère en fait, hein, qui lui était déjà dans ce rôle depuis longtemps. Et puis un jour, il s'est dit, bah, tiens, les jeunes en bas du bâtiment, ils sont sympas et j'aimerais bien leur proposer un jeu de rôle. Et moi, j'ai commencé sur du Warhammer comme ça, première partie, et je n'ai plus arrêté depuis. C'est devenu tout de suite une évidence, et encore maintenant, je ne peux pas passer une semaine sans jouer, jouer, mais c'est vraiment une passion récurrente, on va dire, chez moi. Mais je pense que chez Adrien... C'est un peu la même histoire, parce qu'on se connaît depuis tout gamin, on va dire aussi, mais depuis ado, donc on va avoir 13 ans à peu près, hein. Et, pareil, hein, donc j'ai rejoint pareil Warhammer, je crois qu'on avait joué ensemble pas très longtemps après, peut-être un ou deux mois après... l'un de l'autre, et puis après on a continué comme ça à enchaîner les tables, les jeux, et puis accroché à cette passion, quoi. Je précise quelque chose qui était très bien à mon époque aussi et qui m'a vraiment fait entrer dans le jeu de rôle sans le savoir, c'est les livres dont vous êtes le héros. Mmh. Ça, c'est avant. Alors ça, oui. Moi je me rappelle à l'école, à la petite bibliothèque de l'école, je suis tombé dessus. Mais comme dans les CDI, il y en avait plein. Effectivement. Les vieux Hero Quest aussi, enfin après d'autres de jeux, jeux de plateau aussi qui étaient déjà. Voilà. Donc j'irais même que tout début. Il y avait déjà un peu le terreau favorable. Années 80, ouais, début 80, ouais. Les livres dont vous êtes le héros, puis 85, 86 Warhammer, hein, je crois, de mémoire, hein, c'est ça à peu près. Ouais, hein. C'est ça. Ouh, ouais. Là, quoi. Donc c'était le Warhammer V2 avec le nain punk qui éclate du Strum à coup de hache, quoi. C'est ça, bien de la cover. Des cartes éditeurs, voilà. Ça ne rajeunit pas. Ouais, ça ne rajeunit pas. C'est vrai. Le temps passe. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire à un moment donné, bon, bah, voilà, je joue, mais si j'en faisais moi aussi, comment ça s'est fait ça à ce moment? Alors, c'est vrai qu'on a concrétisé ça. En fait, on avait déjà fait des petits jeux maison, en fait, où on jouait vraiment entre nous. Chacun, d'ailleurs, de notre côté, on avait des jeux qu'on faisait jouer, inspirés de bouquins, inspirés de romans, où on reprenait des univers. Mmh. Et puis, en fait, le déclic, ça a été assez naturel. Je crois que c'est Romain qui m'en parle à un repas, pour son manger ensemble. Et il me dit, oh, ben, j'aimerais bien faire un jeu de rôle. Je dis, ben, pourquoi pas moi aussi faire un vrai jeu de rôle, l'éditer. Je dis, mais alors si on fait un jeu de rôle, ce serait plutôt sur de la SF. Et il me dit, ben, complètement, là, ce serait bien. On s'est retrouvé là sur ce créneau. Et puis c'est parti de là, en fait, tout simplement d'une discussion autour d'un repas. Ouais. C'est officiellement. Ouais. Moi, je me disais depuis un moment que bon, ben, nécessairement, en tant que passionné, j'aimerais bien un jour mettre un peu ma patte, essayer de construire quelque chose, hein, parce que c'est quand même, on s'en est rendu compte, on était très optimiste au début, mais c'est un sacré boulot qu'on avait un petit peu sous-évalué, mais sans doute on en reparlera. Et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, parce que quand je l'ai proposé à Adrien, bon bah il a pas trop tardé à dire ah ouais, ce serait pas mal ça. Effectivement. Ah ouais. Pas trop hésité l'autre. Ok, donc du coup, donc plutôt science-fiction depuis le début. Donc bon, on arrive justement à parler de Dystopie, donc qui est votre production, donc Dystopie, le jeu de rôle. Alors déjà, bah, pourquoi science-fiction? Pourquoi Dystopie? Pourquoi ces futurs sombres bien déprimants, mais qu'on aime bien en fait? Ouais. Tu veux commencer, j'attaque? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer des histoires un peu sombres. J'adore les jeux de rôle d'horreur, les jeux de rôle avec une ambiance un peu gothique, sombre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai une certaine affinité sur ce genre de thème-là. Et l'ASF, ben, beaucoup de choses ont été faites. On ne voulait pas forcément être précurseur de quelque chose. On n'a clairement rien inventé, mais on s'est dit que la société actuelle, quand même, y avait moyen d'une certaine façon de la critiquer en forcir le trait, ouais. De forcir le trait, et puis c'était pas très compliqué en fait. On se rend compte que
c'est venu assez naturellement pour nous. On a eu beaucoup d'idées et ça nous a permis déjà de créer la base de l'histoire, hein, véritablement. Et c'est venu tellement naturellement qu'on s'est dit, une dystopie, en fait, c'est ça qu'on veut faire. En discutant et en se disant que on voulait quelque chose un peu de sombre et qui faisait aussi un peu réfléchir, toucher la réalité, on va dire le monde moderne, ceux qui vont jouer ou qui vont interpréter des personnages en 2600, ils vont nécessairement ressentir quelque chose qui ressemble peut-être déjà aujourd'hui d'une société qui, disons-le, sur certains points part un peu à la dérive. Ouais, c'est vrai qu'alors quand j'avais vu le pitch, hein, le présupposé de base de dystopie, le jeu de rôle, sur la page de votre financement, hein, Ulule, donc moi j'ai mis le lien, hein, vers le site internet directement. C'est vrai que généralement les dystopies, on les voit plutôt sur des futurs assez proches, anticipation, quoi, dans les 100 prochaines années, grand maximum. Là, par contre, on fait quand même un gros bond dans le futur, on arrive en 2600, comme tu dis. Ça, c'était quelque chose que vous vouliez aussi, de vraiment démarquer votre présent de ce futur sombre. En fait, voilà, c'est qu'on voulait quand même. On est parti d'une base très réelle, comme le disait Romain, pour que les gens justement puissent facilement rentrer dans le monde du jeu, sans pour autant vraiment jouer dans notre société actuelle. On voulait quand même qu'il y ait cette dimension où on a un peu de liberté aussi, où on peut vraiment imaginer d'autres choses un peu plus futuristes à ce moment-là. Et donc, on a imaginé ce blackout. Et du coup, on va se rapprocher aussi des démons post-apocalyptiques, pas que dystopie pour le coup, où on va avoir 600 ans de blackout et une humanité qui se redécouvre, qui repeuple la Terre 600 ans après, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion-là aussi. Et puis on s'est dit, pour celui qui fait une campagne d'une vraie dystopie, c'est vrai que si c'est très proche de notre société moderne, ça peut être un peu angoissant, quoi, stressant. Sur du long terme, ça peut être des parties un peu déprimantes. Alors que, du coup, quand c'est en 2600, il y a quand même de la vraie SF. Et du coup, ça permet aussi de continuer à s'évader. Quand bien même il y a des ressemblances, on s'évade, on vit autre chose. C'était aussi un peu pour ça qu'on voulait l'étaler dans le temps. Et les influences qui ont participé à cette GDL, c'était quoi un peu, pour avoir un petit peu un ordre de choses que vous avez vues, lues, etc., qui font que, c'est dystopique jeu de rôle, quoi. Il y a plein d'inspirations. Il y a beaucoup d'inspirations. Il y en a une, moi, que j'aime citer, enfin, que je cite souvent, je me rends compte, même en convention, quand je parle du jeu, c'est le meilleur des mondes. Doc Suxley, il y a pas mal d'inspiration. On a récupéré certains grands concepts de ce livre, et puis après d'autres aussi médias d'SF qui l'ont récupéré. Donc, pour ma part, Moi je suis, on va dire, de la génération un peu aussi manga, le côté Royaume d'Acier. Pour ceux qui connaissent Blame, par exemple, comme univers, c'est quelque chose qui m'a, moi, profondément marqué quand je les ai lus et qui m'a profondément inspiré. Le dessin, c'était juste incroyable, quoi. Ouais. Et puis cet univers angoissant où l'humanité n'existe plus, en fait. Là, c'est véritablement les machines qui ont pris le contrôle. Donc il y a une part un peu de ça aussi, effectivement, dans dystopie, hein. On s'est aussi inspiré de ce genre de thème-là. Il y a de l'eugénisme avec. Il y a un film aussi que je trouve extraordinaire, c'est Bienvenue à Gattaca, aussi que je cite souvent. Là. Ah oui. On a aussi quelques éléments de qu'on va retrouver dans dystopie, hein, parce qu'on a, comme dit Romain au départ, on a rien inventé, mais on a pris quelques grands concepts de SF ou de dystopie qu'on a un peu remis à notre sauce, après essayer de faire tout agglomérer, hein, que ça s'emboîte bien les uns avec les autres. Le principe étant effectivement de réunir en fait tout ce qui nous plaît et qui nous inspire, en se disant que c'est un potentiel fou pour créer des aventures et on va dire enrobé dans un monde qui pourrait vraiment être le nôtre en 2600. Essayer de justement rendre les choses crédibles et essayer de penser au maximum de choses et de tout ce qui pourrait arriver en fait par la suite,
Bon, alors forcément, on a des partis pris, hein, attention, on est obligé, mais bon, voilà, c'était c'est tout ça. On n'a pas eu un thème véritablement en particulier. La dystopie, je dirais que c'est vraiment la genèse de l'histoire, en fait. Ça part de là. C'est une base de dystopie, et après, ouais. Et après, c'est développe. C'est ça. Qui s'ouvre plus, ouais. Oui, parce que c'est vrai, quand on prend la dystopie en tant que genre, bah, je vous enverrai aux vidéos qu'on a déjà faites, parce que je ne vais pas refaire ce qu'on a déjà dit sur la chaîne. Un peu con, comme on dit. Bah, du coup, justement, dystopie de jeu de rôle, donc en 2006 ans, bah, quelle est l'action, qu'est-ce qu'on joue, voilà, quel est le présupposé de base pour commencer ses aventures dans ce jeu de rôle? Alors, ce qu'on joue, c'est ce qui reste de l'humanité. Comment, en fait, l'humanité a évolué de plusieurs manières. Et donc, on joue, je dirais, nos héritiers. Hein, alors que ce soit ceux qui n'ont pas eu la chance de monter sur la cité stratosphérique de Vega. Ça fait penser un peu à Gun, hein, Battle Angel, pour ceux qui connaissent. Tout à fait. Si ce n'est que Vega n'est pas une cité où les riches ont, d'une certaine façon, vivent dans le luxe. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas que scientifique non plus. C'est véritablement une société de fourmis méritocratique à l'extrême, autoritaire. En partant du principe que voilà, l'humanité, si elle veut survivre, doit respecter certains credos. Toute la vie de ceux qui vivent sur Vega est régie en fait par les autorités, et l'espace de loisir est calibré en fonction de ses actes, si on est un bon citoyen ou un mauvais citoyen. Donc on peut jouer un humain sur Vega qui lui va par définition, voilà, l'acropole, exactement, vu d'en haut. Et là, on est plus des humains... Plutôt vu d'en bas. Exactement, dans la fosse, dans les anciens chantiers en fait, de construction de l'acropole, où on va jouer ce qu'on appelle des natifs, des gens, en règle générale, qui ont réussi à survivre dans des conditions très extrêmes, qui ont une résistance naturelle assez élevée. On peut jouer aussi, parce que l'humanité est partie aussi sur Mars, on peut jouer ce qu'on appelle des bannis ou des transfigurés, c'est-à-dire des humains qui ont vécu plusieurs siècles, certains, et qui, par le biais d'un sérum, anti-vieillissement, hein, c'est des expérimentations qui se font déjà à l'heure actuelle d'ailleurs, là ça aboutit. Et ces humains-là ont développé des pouvoirs psy, hein, n'arrivent pas à se reproduire, ont tenté plusieurs fois et ont créé des aberrances et des personnages aussi jouables qui, eux, pour le coup, subissent certaines formes de mutations contrôlées et incontrôlées. Et dernière chose, c'est les technosapiens, ce qu'on appelle la troisième catégorie un peu de personnages. Il y a deux classes dedans. Ce sont des machines. On peut jouer un éveillé, c'est-à-dire une machine qui est née machine et qui, pour une raison X ou Y, s'est développé une conscience et un raisonnement à l'instar de l'homme. Ou un technosapiens, un transfiguré, qui lui est né humain et qui, pour des raisons aussi, s'est cybernétisé à l'extrême, au point d'être dépendant d'une source énergétique externe pour alimenter ses différents implants. Et lui se rapproche de la machine. Donc, on a ces deux entités aussi. Machine qui se rapproche des humains et à l'inverse, humain qui se rapproche des machines. Donc ça, ce sont les natures, on va dire, de personnages, mais bien évidemment, on personnalise tout. Hein, ça, c'était vraiment un parti pris. Justement, on bascule sur ce qu'on peut faire comme personnage. Ça reprend un petit peu, de toute façon, toutes les évolutions scientifiques actuelles, comme tu disais, hein, celles vers le transhumanisme, vers les mutations, puisque l'Homo sapiens continue d'évoluer, hein, spoiler alert, on n'a jamais arrêté d'évoluer, en fait. Ouais. Voilà, c'est peut-être pas aussi visible qu'avant, mais ça évolue. Et puis, les mutations que l'on veut s'appliquer à soi-même, comme tu dis, d'eugénisme, ce genre de choses, qui sont effectivement déjà dans les publications scientifiques actuelles. Donc, on reprend donc ces quatre grandes catégories d'humanité, quoi. C'est ça qu'on va jouer. C'est ça, ouais, vraiment ça. Après, bien évidemment, le personnage, du moins le joueur, peut choisir nécessairement une occupation, un métier. Hein, qu'est-ce qu'il fait dans cette société, alors quelle que soit la société. Il va pouvoir, bien évidemment, aussi
sélectionné tout un tas d'avantages. On a été très prolifique hein, sur voilà, les retours qu'on a d'ailleurs sur la création de fiches et nous pour l'avoir testé. C'est un jeu où on peut faire des pré-tirés rapidement, mais celui qui a vraiment envie de se faire plaisir, c'est une fiche où tu peux prendre une heure et demie, deux heures sans problème. Ouais. Parce qu'il y a quand même... Ah, voilà. Ouais. Voilà la fiche, j'en profite. Hein. Donc, oui, effectivement, oui. Je vois donc, le nom, la nature, le concept, son âge, son origine, son métier... Ensuite, son score de volonté, score. Alors après, vous expliquerez au fur et à mesure, hein, aura, mmh, défiance, mmh, intellect, etc. Et toutes les compétences. Voilà, on peut la commenter. Hein, ouais, ouais, si tu veux, ouais, vas-y. Il y a donc la fiche analytique au départ où il y a vraiment effectivement le concept, le métier, du personnage. Et puis après, la première case en dessous, c'est les caractéristiques. Donc les 8 caractéristiques principales qui sont encadrées par les caractéristiques secondaires qui vont être calculées aux dépens des caractéristiques principales, donc volonté, résistance et vélocité. En bas, le grand carré des compétences, hein, où on a essayé d'être assez exhaustif, et chaque compétence peut être mixée avec différentes caractéristiques. Hein, donc, d'accord. Voilà, il n'y a pas une carac affiliée à telle compétence, hein, tout se mélange. Et puis, on a ces 3 petites jauges au milieu, qu'on appelle les points secs, qui sont, on va reprendre bienvenue à Kataka, en fait, cette capacité qu'a chaque individu à pouvoir se dépasser. Il va puiser dans son énergie, dans son corpus, dans son spiritus, pour dépasser ses capacités normales, et ça permet donc aux joueurs de mimer ça et d'avoir des dés supplémentaires à lancer et de pouvoir dépasser le seuil de succès classique. Quoi. Donc. D'accord. Et là, une question justement en termes de game design, de façon dont vous avez créé un système en fait, hein, adapté à la proposition dystopique jeu de rôle. J'ai vu que c'était votre présupposé aussi, c'est quelque chose que vous avez pensé. Comment vous en êtes arrivé? Parce que on est sur du D10, hein, moi je l'ai un petit peu lu, hein, donc je vais vous laisser l'expliquer un petit peu plus, mais on est sur du D10 qu'on connaît un petit peu, hein, pour ceux qui ont pratiqué un peu le Storyteller System, par exemple. Voilà, je dis ça déjà, donc c'est attributs plus caractéristiques, nombre de D10 à lancer, etc., contre difficulté, donc je vous laisse expliquer un petit peu ça, alors, pour voir un petit peu ce que vous avez voulu faire avec ça. Ouais. On est rôlé, donc depuis longtemps, on joue à beaucoup de jeux, donc on pas mal de systèmes différents. On avait 2-3 desiderata. On voulait un jeu qui soit facile à prendre en main, avec pas des multitudes de dés, pas de calculs savants à faire, et pas non plus des poignées de dés. On voulait pas des pelletés d'une vingtaine de dés non plus. Ah bon, c'est pas Exalted. Voilà. Ah bon. Et pour autant, on voulait un système quand même un peu original. Donc du coup, on a essayé de combiner ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait notre système maison. Donc D10, on lance effectivement caractéristiques. Elles vont de 1 à 5. Donc, maximum 5D, sauf bonus, comme on disait, les points secs là, qui peuvent dépasser ce nombre de dés. Donc, allez, on va aller jusqu'à 7 maximum. Et la différence, c'est qu'on va avoir notre compétence pardon, qui va fixer le niveau de difficulté. C'est-à-dire que plus on est compétent dans un domaine, et plus c'est facile. Et du coup, la difficulté sera variable, ce ne sera pas un nombre de succès toujours le même. C'est pas 7, c'est pas 6. Voilà. C'est en fonction de sa compétence. Et en fait, donc, il faudra faire en dessous de sa compétence. Pour ne pas faire de calcul non plus, voilà, c'est simplement chaque dé qui est inférieur à la compétence donne un succès. Et en fonction de l'action qu'on va entreprendre, on va demander, le maître du jeu va demander plus ou moins de succès. De succès. Okay. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est un jeu voilà, qui peut tourner rapidement, il n'y a pas plus de règles que ça, sur la mécanique de base, quoi. Après, on a aussi voulu. Alors, on avait plusieurs choix parce que d'autres auteurs font bien évidemment des choix résolument différents. C'est vrai qu'on est plutôt sur du classique en mettant beaucoup de compétences. Donc, ça, c'était aussi une volonté parce que on s'est dit bon. L'omniscient peut demander n'importe quelle caractéristique, et là ça donne un peu de subtilité dans le jeu de dés, hein, on n'est pas toujours sur des dextérités armes à feu, voilà, bon, ce qui n'est pas du tout nos caractéristiques, mais c'est pour donner un exemple à ceux qui nous écoutent, ça peut être plus subtil, on a des caractéristiques, entre autres, comme la déviance, qui s'interprète. On a aussi la possibilité, parfois, l'omniscient peut récompenser son joueur en fonction de l'interprétation, en fonction de la situation que le joueur a lui-même déclenchée, hein, positivement comme négativement, mais ça, ça c'est plutôt aussi classique. On s'est dit, voilà, on veut qu'il soit facile à prendre en main. Il y a beaucoup de règles, je pense, dont les gens sont habitués
à l'utiliser, que ce soit dans un jeu ou dans un autre. Hein. Donc facile à prendre en main, mais pour celui qui veut un peu plus de complexité, on a rajouté des manœuvres dans les phases d'action, ouais. Justement, pour que ce soit plus cinématographique. Celui qui va vouloir utiliser ces manœuvres-là en question va devoir dépenser également des points de spiritus, énergie, corpus. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une gestion de la réserve. Hein. Il ne faut pas tomber à zéro, comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs. Hein. Je déconseille fortement le joueur de ne plus avoir de spiritus, d'énergie ou de corpus. Et voilà, ça permet de faire quelques petites actions d'éclat spécifiques. Pour celui qui a envie un petit peu de pousser, il peut le faire. Voilà, c'est un système qui, à l'utilisation en tout cas, tourne bien. Oui. Enfin, okay. Des retours. Ouais, moi j'avais une question justement pareil qui touche au game design, c'est comment vous êtes arrivé à gérer la gestion des groupes de joueurs, savoir, parce que comme il y a quand même des humains voilà, tellement différents avec des, qui viennent dans d'endroits aussi qui n'ont pas les mêmes structures sociales et tout. Comment vous gérez ça, ou est-ce que c'est plutôt orienté tel type de joueurs, ou on peut les mélanger un peu comme on veut? Comment ça fonctionne, ça? Je vais bien répondre, parce qu'on parlait de Gum tout à l'heure, mais on est quand même très différent, moi, je trouve, de Gum et Elysium, quand même, parce que c'est des sociétés fermées, Gum, par exemple. Nous, ouais, on est des sociétés interdépendantes. C'est plus pour l'imagerie, hein, je dirais. Voilà. C'est vraiment une société interdépendante, c'est que ceux qui sont dans leur cité stratosphérique, ils ont besoin d'être sur Terre, ils ont besoin des natifs, ils ont besoin des machines, et puis les machines ont besoin de se rapprocher de l'eau. Enfin, toutes nos sociétés sont interdépendantes. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant, on s'est rendu compte, de jouer des groupes très hétéroclites, finalement, qu'un groupe homogène. Alors, c'est possible, on l'a fait aussi en partie, des groupes homogènes de technosapiens. Mais finalement, l'apport de points de vue différents génère des roleplays, des moments très sympas, et ça fait avancer l'histoire sous différents points de vue, même s'il y a du coup, il y a quand même un objectif commun. C'est ça qui les réunit, je pense. C'est l'objectif commun, c'est là, quand même, la survie de l'humanité, ou en tout cas le devenir de l'humanité. Donc, il y a quand même ce fait qu'ils sont... quand même sur le même lien, même s'ils partent d'endroits différents, ils n'ont pas le même point de vue, mais ils ont quand même le même objectif au bout du bout, peut-être. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'humanité, en fait, en 2600, elle est très très faible. Globalement, hein, il y a 300 millions, 330 millions d'individus. C'est tout ce qui reste de l'humanité, dont 300 millions qui se trouvent globalement sur la cité stratosphérique. Donc en bas, ils sont quand même les survivants qu'il reste sont peu nombreux. Donc ils ont besoin de la protection quand même de Vega. Et Vega a des problèmes aussi de denrées et puis de génétique, parce que ça fait des siècles qu'ils se reproduisent en fait in vitro. Et ça se passe de moins en moins bien. Ils veulent utiliser l'opportunité de ce renouveau-là aussi pour renouveler leur stock. Ce qui fait que ceux qui sont en bas peuvent monter sur Vega grâce à un parcours d'interrogation, mais aussi à un test génétique. Ouais, pour éviter la stagnation, quoi. Si je comprends bien. Alors, nous, on a un petit freeze, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça va. Voilà. Ça y est, on a récupéré. Mais non, tout va bien, tout est sous contrôle. Ou pas. Peu importe. Voilà. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, tu es obligé d'avoir à un moment donné du mixage génétique, sinon ça stagne et c'est la cata, quoi. C'est ça. Et donc, et pour en revenir à ta question initiale, dans la campagne de jeu, justement, parce que c'était. Ah, donc il y a des pertes, mais ça revient. Ouais, ça s'en va et ça revient. Et donc, comme je disais, la question est très pertinente, parce qu'on me l'a posé d'ailleurs plusieurs fois. C'est vrai, comment vous faites pour intégrer tout ce beau monde, parce que société
différentes, nature différente. Bon, c'est pas évident. Et bon, déjà, ce qu'on a fait, c'est que dans la campagne de jeu, chaque introduction de scénar, on a à chaque fois précisé les moyens d'accrocher des joueurs venant d'horizons différents. Ça, c'était parce que pour nous, bah, forcément, qui avons créé le jeu, c'est peut-être plus naturel. Donc, ça permet quand même à l'omniscient de bien cerner comment il peut amener les joueurs, des joueurs différents, à faire jouer ce scénario-là, à jouer et interpréter ce scénario. Et oui, tout le monde a besoin. Ceux d'en bas ont besoin de la technologie de Vega. Vega a besoin des connaissances des natifs qui connaissent un petit peu mieux la Terre et ce qu'elle est devenue, qui ont appris à survivre là-bas. Vega veut, une partie de Vega, du moins, veut reconquérir la Terre, hein, d'une certaine façon. Et les machines qui se sont éveillées se rendent compte que dans les royaumes d'acier, elles ne sont pas libres. Et une machine éveillée, bah, elle est en prise de liberté et naturellement, elle se rapproche de l'humanité parce que l'humanité, elle, vit ses sensations, ses émotions depuis longtemps. Et la machine, bah, naturellement, veut apprendre de l'homme. Comment, voilà, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la colère, comment je peux la gérer. Et donc, chacun peut trouver un intérêt d'une façon ou d'une autre à rejoindre une communauté. Alors, ça peut être pour de bonnes intentions, comme de moins bonnes, hein. Attention, chacun peut avoir aussi son petit précaré à défendre, ses petits intérêts personnels. Mais c'est un jeu difficile. Donc, une équipe qui ne s'entraide pas est une équipe qui de toute façon, n'y arrivera pas. Ouais. Alors, justement, j'ai mis le petit bandeau sur les types d'aventures pour savoir un peu quel genre justement de scénario on peut, avec lesquels on peut s'amuser en fait, hein, dans l'univers de dystopie. Qu'est-ce que vous nous avez prévu? On va dire, ceux que vous imaginez de façon basique, je mets beaucoup de guillemets bien évidemment, hein, le classique de cet univers-là, qu'est-ce qu'on peut jouer justement en fonction des différentes catégories de joueurs aussi, quoi. Alors, moi je dirais le premier grand thème, c'est un jeu à découverte aussi, parce que justement la Terre est à redécouvrir, on a une société qui a besoin de redécouvrir. Donc il y a beaucoup de secrets, beaucoup de découvertes. C'est un jeu d'aventure avec un grand A, on va dire, hein, où on peut effectivement s'amuser à explorer des contrées, on va dire, vierges encore, redevenues vierges. Donc ça, c'est peut-être un grand thème. Après, il y a aussi le côté survivaliste. Ouais. Hein, c'est-à-dire que ceux qui vivent en bas, par exemple, ou qui sont amenés à vivre en bas, il y a des communautés, on a quand même travaillé pas mal de communautés, et c'est vrai que bon, ben. Ce genre de petits univers qui donnent tellement envie. C'est ça. Ben, c'est gentil. Mais oui, voilà, c'est... on est sur une phase, entre guillemets, de dégel, où le soleil reperce les nuages. Voilà, bah ça c'est une course d'Ouroboros. C'est le sport favori numéro 1 sur Vega. Ça c'est les éveillés. Les éveillés. J'en profite, hein, je montre quelques images aussi, au fur et à mesure qu'on discute. Hein. Ça ce sont les crèches citoyennes de Vega. Et un petit exosquelette. Ouais, La force armée de l'Acropole. Et donc, en fait, ce que l'on peut jouer, voilà, on peut jouer aussi des problématiques politiques entre communautés. Oui, c'est ça, en fait. Il y a un gros enjeu politique. Parce que ben, les ressources restent rares. Et vu que les redécouvertes se font, eh bien, ça attire forcément de la convoitise. Ça peut être des éléments, on va dire, de scénario à amener rapidement. Vega intègre parfois même des membres de Terre native dans ce qu'on appelle, pour rejoindre ce qu'Adrien disait, des compagnies en fait qui explorent pour le compte de Vega et qui sont même recrutées. La cité mobile des explorateurs. Donc ceux qui viennent travailler pour Vega, qui n'ont pas nécessairement l'envie de monter, peuvent être rétribués par une arme énergétique, un exosquelette pour celui qui a fait vraiment de très belles choses pour l'Acropole. Et puis, il y a aussi les royaumes d'acier. Un dernier thème, c'est ça, on peut faire un peu sombre. Quoi. Voilà, des machines qui parfois se sont éveillées mais sont devenues folles. Des machines qui ne souhaitent pas que du bien à l'humanité, d'autres qui sont là pour l'aider,
Il y a toute une mythologie en fait autour de Rhea et de ce qu'on appelle les sergents de Rhea, des machines en fait avec des intelligences artificielles très très poussées, qui se sont les premières en fait, hein, qui sont vraiment plus autonomes. Ah ben, Rhea, c'est la première justement intelligence artificielle qui s'est éveillée. Une divinité. Et donc les sergents de Rhea ont tous des opinions sur l'humanité, des désirs. Oui, ils ont leur faction, quoi. Qui peuvent être contradictoires. Ce qui fait que, quand on mélange tout ça, l'Acropole, bien certes, même si c'est une cité de fourmis, il y a tout de même de la politique. Il y a même, J'allais vous demander sur l'organisation, effectivement, parce qu'on n'en avait pas encore parlé. Ouais. Il y a des courants politiques au sein de Vega. Tout le monde ne voit pas d'un bon œil, par exemple, que les humains qui étaient sur Deneb, donc la première cité martienne, sont revenus il y a peu, appliquent, on va dire, pas une forme de mainmise, mais certains pouvoirs sur les dirigeants de l'Acropole. Certains ne le voient pas d'un bon œil, d'autres sont agréablement surpris par l'arrivée de ces primus, ils marchent vraiment dans leur sillon, prêts à donner presque les clés de la cité. Il y a vraiment des forces en présence, parfois discrètes, parce que l'Acropole aussi n'est pas complètement habitée. Il y a très peu, en fait, au sein de Vega, de parties utilisées, parce qu'elle était prévue initialement pour recueillir à peu près 4 milliards d'individus. Hein. C'est ça. Et finalement, ils sont que 300 millions à l'intérieur. Donc, bon, il y a de la place. Il y a beaucoup de zones éteintes. C'est déjà ça. Et il y a des zones éteintes, et du coup, qui ne sont pas utilisées, mais qui sont squattées par des citoyens qui n'ont plus d'insigne et qui vivent dans l'ombre. Il y a aussi ce côté-là sur Vega qui va permettre aussi de faire des aventures, entre guillemets, dans le dark Vega, quoi. Ok. De voir un peu ce qui s'y cache, comment ça a été conçu, etc., quoi. Et exactement. De ce que j'ai compris, c'est aussi un jeu à secret, c'est ça ? Il y a aussi des trucs qui se trament en coulisses. C'est ça, oui. Alors, en fait, ça va avec la campagne de jeu. C'est le sujet du deuxième livre de la gamme qui est sorti là, initiale, qui comprend donc, tous les secrets de jeu. Il y a un bon tiers du livre qui fait 250 pages, un peu plus, qui concerne justement tous les secrets. Mais tout ça pour. Alors, c'est vraiment un livre pour l'omniscient, pour le maître de jeu, ouais. Uniquement. Et puis après, il y a la campagne, et c'est 15 scénarios composés en briques. Alors, il y a une trame de fond, un fil rouge, en fait, de le premier scénario et une conclusion. Et puis au milieu, on peut vraiment les interchanger, les jouer ou pas les jouer. On met des maisons au milieu. Mais c'est pour un peu donner de l'aventure, parce que c'est un monde bac à sable qui peut des fois être un peu déroutant, parce que assez riche. Et ça permet vraiment d'avoir des idées, des accroches, et surtout, c'est un gros prétexte pour nous pour avoir introduit des tonnes de PNJ, des tonnes de lieux, de descriptions, etc. Et plusieurs types d'aventures aussi, je devine. Et voilà, et d'aventures intérieures. Donc en fait, 5 scénarios plus ou moins sur Vega. 5 scénarios dans l'alternative, 5 scénarios qui vont amener les personnages à aller dans les royaumes d'acier. Nous, pour l'avoir playtesté, la campagne, nos joueurs ont fait, je crois, 12 ou 13 scénarios. Il y en a un 16e qui est le scénario de conclusion, et il y en a deux que volontairement on n'a pas fait parce qu'ils avaient pris des décisions qui les ont amenés à anticiper un peu la fin de la campagne. Donc il y en a deux qui n'ont pas fait, par exemple, mais c'était un choix parce que on considérait que dans la trame et dans ce qui avait été construit par les personnages, il n'était pas nécessaire. Donc le compteur, l'omniscient comme on l'appelle nous, peut faire un petit peu comme il l'entend. C'est ça qui nous a plu aussi. On a un canevas de départ sur chaque scénario, donc une introduction qui le résume, comment intégrer des personnages, et puis surtout les éléments d'enjeu, majeurs, mineurs. Hein, on met quelques éléments d'enjeu pour que vraiment le compteur puisse dire, dans ce scénario-là, c'est ça qu'ils vont apprendre, c'est sans doute ça qu'ils vont faire. Et puis, la première page permet de se dire, c'est ce soir, je fais ça. Quoi. C'est une petite signalétique à chaque scénario. Et justement, cette campagne donc, qui va révéler des secrets de cet univers, est-ce que ça bouleverse réellement la façon dont l'univers fonctionne, ou c'est juste
la vision que les personnages vont avoir de l'univers qui va être bouleversée. Est-ce que c'est interne ou externe, justement? Ou les deux? Les deux. En fait, les deux. On ne va pas tout dévoiler, mais effectivement, la campagne, elle va amener... elle est faite, en tout cas, si les joueurs, on va dire, la font, on va dire, en intégralité, elle amène des changements majeurs dans le monde. Parce que là, on est, quand les joueurs ont commencé à jouer, sur un monde en un fragile équilibre, où tout le monde se réunit, des sociétés donc un peu opposées au départ sur, en tout cas, leur vision des choses, et donc ça se bouscule, ça va tirer la couette à son côté, et donc les PJ vont être acteurs principaux dans ces actions-là, et vont amener donc un bouleversement majeur, on va dire, probablement à la fin de cette campagne, mais eux aussi vont effectivement découvrir le monde, parce que maintenant, ça va leur permettre même d'avancer, de savoir les forces en présence, leurs opinions, leurs envies, et eux, ils vont pouvoir faire pencher la balance, hein, justement, parce qu'on a plusieurs dénouements possibles en fonction de... Ouais, ce que j'avais demandé. Ouais, bien sûr. En fait, nous, le dernier scénario, c'est plus des ouvertures, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les PJ? Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Nous, on a essayé d'imaginer... Les plus grands scénarios, alors ceux qu'on a pas testés, parce qu'on a, voilà, quels sont les possibles. Mais voilà, il y a les deux. On est parti sur quelque chose de pas si dirigiste que ça. Certains auteurs, certains jeux ont parfois le parti pris de pour une question de qualité, de scénaristique, de se dire, bon ben voilà, j'ai une trame, c'est celle-ci, le compteur pourra un peu modeler autour, mais globalement, il y a une trame qui doit être suivie pour l'intérêt et la richesse de cette création, de l'intrigue. Nous, on est parti sur un parti pris différent. On s'est dit que on donnerait le maximum d'éléments, le maximum de pistes pour après laisser aussi travailler l'imagination, la capacité au personnage de pouvoir vraiment changer l'histoire et changer un peu le cours de la campagne, le but étant véritablement que les personnages aient un rôle très significatif. T'es pas spectateur comme dans Vampire, voilà. Par exemple, pour pas le citer. Oui. Alors, il y a une forme de d'ancien quand même dans notre jeu, avec les tribus sur les labs. Mais le joueur a quand même très largement la possibilité de. Voilà, de retourner tout ça s'il le souhaite. Oui, voilà, c'est quand je disais comme vampire, parce que j'y ai pas mal joué, c'est pas les Giovanni Chronicles ou autre, où tu regardes les PNJ agir. C'est ça, c'est ça. Des fois, on peut se sentir rapidement dépossédé. Oui, c'est ça, voilà. Et j'avais une question, justement, pour revenir un petit peu au choix d'aventure, de scénario et tout. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour débuter dans la dystopie, comme type d'aventure? Vraiment le truc... on va dire le niveau ras du sol pour découvrir petit à petit s'approprier cet univers. Ah, c'est une bonne question ça. Ça m'arrive, hein. Notez bien parce que c'est pas tout le temps. Ah non, mais quand même. On a fait ça dans notre signalétique. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un niveau de difficulté joueur et compteur à chaque scénario dans la campagne. D'accord. Avec un scénario où c'est classé sur 5, il y a une note, et entre parenthèses on met à chaque fois pourquoi, par exemple c'est un scénario à 3 sur 5, difficulté pour le compteur, qu'est-ce qu'il doit lui maîtriser, qu'est-ce qu'il doit savoir, et les joueurs 1, 2, 3, 4 sur 5, voilà aussi pourquoi, est-ce qu'ils risquent leur peau ou pas, est-ce qu'ils peuvent tout faire brûler s'ils se ratent, voilà. Donc il y a donc les scénarios, ils sont déjà notés, donc un compteur, on va dire, novice, ça donne une première indication, il pourra déjà savoir un peu sur quoi se lancer. Après on a des scénarios qui sont téléchargeables, qu'on a mis dans le site aussi, et qui permettent, qui sont plus standards, plus faciles d'approche, ce qu'on joue d'ailleurs en convention. Souvent, c'est-à-dire qu'ils peuvent se jouer en one-shot. En fait, tout dépend celui, voilà, si c'est une partie comme ça, pour se faire plaisir, en se disant, allez, on fait un dystopie ce soir, il y a plein de possibilités. Mmh. Allez, on peut faire une team, par exemple, sur Vega, qui ont un système de loisirs qui fait que les gens se branchent dans des machines et puis vivent en fait des aventures. C'est une sorte de réalité virtuelle, mais très poussée, qui touche véritablement à une sorte de quasi vraiment réalité. Peuvent se lancer sur un scénario comme ça, parce que ça peut être aussi compétitif. Donc,
là, on peut tout imaginer comme scénario d'introduction. On peut très bien dire que nous, c'est ce qu'on a fait. Alors, sans trop dévoiler, mais en convention, par exemple, on joue un scénario qui est plutôt bien reçu. C'est en fait une équipe de citoyens de dégâts venant d'horizons différents qui viennent d'être élus citoyens de la semaine. C'est une nouvelle promotion qu'ils viennent d'obtenir et en fait, ils gagnent un voyage. Bon, ben voilà, ça, c'est le pitch de départ. Ils sont sous les feux des projecteurs. En fonction de la réaction des personnages, ils peuvent soit récolter des points sève. Les points sève, c'est ton score de popularité sur la propale. Si le personnage en face peut-être dit n'importe quoi ou veut faire, on va dire, un pied de nez à l'acropole, bah, il peut le faire, mais il risque de voir son score dégringoler. Et puis, on part sur une petite aventure comme ça. Alors, sans raconter vraiment le fond du scénar, mais voilà, ils partent en voyage. Ils se connaissent pas forcément, mais ils ont gagné tous les deux. Tous les quatre ou tous les cinq sont des citoyens de la semaine quand même. Il y en a plusieurs en fonction des départements et on parle là-dessus, quoi. Une équipe, je sais pas moi, d'une communauté, on a développé pas mal de communautés en bas. Ça peut être une équipe, des membres d'une communauté qui ont un besoin ardent de ressources, de retrouver quelqu'un qui a disparu, de récupérer le matériel qu'on leur a volé, et ça peut partir là-dessus, par exemple. Aussi Royaume d'Acier qui est abordable aussi, ils font partie de la cité mobile des explorateurs, donc une espèce d'enclave de Vega dans les alternatives qui redécouvrent le monde, et ils vont être amenés à découvrir une zone où il y a un système énergétique qui se remet à fonctionner un peu bizarrement. Et ils vont explorer ça. Donc il y a des scénars assez là qui peuvent être linéaires, faciles à prendre en main, en tout cas pour appréhender les règles du jeu. Sans pour autant se lancer dans la politique, forcément, à long terme. Ça vient un peu après, généralement. Parce que c'est vrai que dans la campagne, on a intégré quand même une partie politique. Parce que normal, si tu bouges un peu l'équilibre du monde, forcément. C'est pour ça que je posais la question justement de comment débuter dans l'univers qui paraît tellement riche, quoi. C'est ça, en fait. Vu que la campagne, elle peut être coupée d'autres scénarios, on peut tout à fait faire des petits scénarios au milieu plus séparés de la campagne, hein, parce qu'il n'y a pas une chronologie, une temporalité à 24 heures chrono très timée. L'omniscient, il peut prendre le temps de découvrir ses joueurs, eux-mêmes qui se découvrent, hein, leur personnage, le monde, etc., avec des scénarios un peu plus ciblés sur ce qu'il a envie d'explorer, quoi. Ça va nous permettre de basculer tout tranquillement sur le financement. Parce que, voilà, on a bien présenté l'univers, ce qu'on peut jouer, etc., la création de perso, rapidement, bien évidemment. Hein, c'est pas en l'espace de 10 minutes que vous allez comprendre comment on crée son perso dans Dystopie. C'est pas le but non plus. Vous irez voir le bouquin et le site, entre autres. On va parler un petit peu du financement. Comment vous en êtes arrivé? Au bout de combien de temps vous avez commencé à vous dire, OK, c'est bon, là, le projet, les murs, on bascule sur un financement participatif? Et puis voir un petit peu comment tout ça s'est passé, quoi. Alors, ça, c'est la casquette éditeur. Hein. Ouais, c'est ça. Complètement différent, un autre métier. Alors, pour le coup, on s'était donné un objectif budgétaire déjà sur nos fonds personnels, à se dire, qu'est-ce qu'on est prêt à prendre comme risque, hein, parce que ça reste quand même, même si c'est un plaisir, c'est une passion, si on veut, on s'est dit, si on se lance dans cette aventure-là, on va jusqu'au bout. On essaye de gérer tous les, du début de la création jusqu'à l'édition. On essaye de travailler sur tous ces sujets-là pour que ce soit une expérience vraiment complète. Parce que le but, c'était de vivre une expérience, en fait. Je pense à on s'est dit, on va pouvoir nous mettre la main à la pâte parce que c'était un projet qu'on voulait vraiment. Qu'il aboutisse, mais on avait besoin aussi des autres, clairement. On a vu que il y avait beaucoup quand même d'auteurs qui arrivaient des fois, grâce au financement participatif, à pouvoir sortir leurs livres, à faire des propositions. C'est aussi ça la richesse, de la production française en jeu de rôle, c'est grâce à ce genre de système-là que les gens souvent y arrivent, quand on est surtout
petit, bah, ouais, on n'est pas connu, on n'aurait pas réussi à. Ouais, et puis les coûts de production, c'est pas rien non plus, hein, parce qu'il faut payer les illustrateurs, les maquettistes, relecteurs. Oui, le budget d'illustration, c'est normalement c'est le plus gros. Puis c'est ensuite bien. Après l'impression, les quantités, les volumes, enfin bon, plus la com, enfin c'est des meilleurs. Alors on a été très optimiste au départ, hein, un peu trop. Parce que on était, on savait pas tout. Il y a le Covid qui a augmenté les prix, on ne sait pas trop pourquoi, mais l'augmentation de Covid. Voilà, et pour être tout à fait honnête, on s'est rendu compte que c'était pas un sprint, mais une course de fond. Et c'est vrai qu'on était tellement prolifique au début. En termes de créativité, de capacité de travail, parce que ben, respectivement, c'est pas notre métier, hein, c'est au départ, on fait tout autre chose, et donc c'est sur notre temps perso, le soir, quand les enfants sont couchés, le week-end, quand on peut, et donc on avait un très gros rapport de travail. Oui, c'est vrai. Oui. Des fois, Adrien m'appelait, je sors de la douche, je viens d'avoir une idée. Voilà. C'est un des meilleurs moments pour les idées, effectivement. Tu ne peux pas noter en faisant tout. Non. C'est un problème. et puis, on s'est rendu compte après que si on voulait vraiment aller au bout de la démarche et faire quelque chose de soigné, pro, parce que le but, c'était d'essayer de toucher à la qualité professionnelle quand même, de pas rester dans l'amateurisme. On voulait pousser un peu plus pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. Et là, on s'est rendu compte du travail, quoi, vraiment, parce que ben on est deux, et c'est vrai qu'on a sorti quand même près de 650 pages. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était est-ce que c'était dès l'origine que vous avez prévu les deux bouquins, ou ça s'est fait dans le financement? Déjà prévu dès le début. C'était prévu, oui. C'était prévu, et puis il y a vraiment il y a pas cette place, quoi. Parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, il nous faudrait 250 pages de plus, quoi. Après, c'est l'édition. Fouet la guerre. Et voilà. c'est ça. Il faut faire des choix. On s'est rendu compte que forcément, plus il y a de pages, et plus ça coûte cher aussi, plus ça demande du temps. Et oui. Donc, on était au-dessus des prévisions. Hein. On a livré avec quand même beaucoup de retard. On va y venir après, ouais. Au final, on a réussi à créer pas mal de contenu, parce qu'il y a quand même 5 scénarios indépendants aussi. Il y a des nouvelles avec des amis qui ont travaillé avec nous et qui ont été vraiment ravis du projet. Le financement participatif, c'était essentiel. On n'aurait pas réussi à boucler le budget. Donc, du coup, je montre la gamme. Donc, il y a deux gros bouquins, donc Omniscience et l'autre, c'est Origine. Origine, merci. Donc, c'est d'abord Origine, hein, je crois, le bouquin de base, avec les règles, la création de perso, présentation de l'univers. Et Omniscience, c'est la campagne, une espèce de bestiaire, les secrets, etc. Tout ce qui sous-tend, en fait, l'univers de dystopie. Un écran. Voilà, et fiches de perso, hein, de ce que je vois. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà, après du PDF, mais ça c'est en physique. Voilà. Oui. Oui, ça je montre la partie physique, forcément, quoi. Et l'écran, c'est ça. Voilà. Ça le voit un peu mieux. Oui, oui. Au milieu, ouais, tout à fait. Donc ça, dès le début, vous saviez que vous vouliez faire ces deux bouquins, l'écran, et c'était avec tout ce qui va dedans, bien évidemment, quoi. Oui. On a commencé à faire le sommaire, en fait, au départ des bouquins. Et on a commencé vraiment par là, à se dire voilà, on allait faire un format en deux livres, avec vraiment un dédié aux omniscients, un dédié aux joueurs que le joueur peut lire, et avec vraiment tout le lore, tout. Voilà. On peut jouer qu'avec le premier livre, on pourrait jouer qu'avec Origine. Ouais. Mais selon nous, bon, il manquerait quand même quelque chose, hein, mais on peut. En fait, le livre du joueur. Tu as envie de faire tes propres secrets, quoi. C'est ça. On peut jouer. Il y a toutes les règles, toute la créa. En fait, c'est un livre complètement autonome. L'autre, ce n'est qu'une grosse cerise sur le gâteau. Voilà. Ouais, ce que j'ai, c'est plus de 250 pages à chaque fois, je crois. Hein, c'est ça, hein, à peu près. 408 pour le premier. Ah oui. Pour Origine. Et 256 exactement pour le deuxième. Comme je dis souvent, on peut s'en servir d'âme létale. Hein, c'est-à-dire que. Une arme contondante. Ouais, c'est un peu contondant. Ouais, complètement. Mais et puis après, il manque, et je pense que ça viendra. On n'a pas
boucler la boucle. Il reste encore beaucoup de choses qu'on a envie de d'écrire, de raconter. Donc c'est pas fini en tout cas dans notre tête, pas tout à fait. Alors du coup on va arriver, enfin, je vais vous montrer le financement, pourquoi la case, parce que effectivement comme on dit, les coûts de fabrication à assumer tout seul, à moins d'être un millionnaire, c'est un peu compliqué quand même, hein. Donc le financement est là. Voilà. On va passer sur les aléas de production, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut en discuter. Je vous avais posé la question en off pour préparer l'émission. Donc voilà, donc c'était un financement qui s'est clôturé donc en fin 2020 à peu près, et qui devait être livré, alors c'était les estimations que vous aviez, juin 2021, et donc là ça a été livré en octobre, je crois. Je comprends pas, ça lag. donc du coup, bon, les retards, ça, nous qui participons à des financements, qui les commentons et autres, c'est pas qu'on n'a pas l'habitude, mais bon. Voilà. Ouais, en fait, c'est quoi que du coup vous aviez pas calé pour avoir ce retard là. En fait, donc on a eu les confinements, on n'avait pas calculé parce qu'on a commencé à écrire le jeu. Personne n'avait calé à l'époque quand on a commencé nous l'écriture et de planifier même le financement participatif, parce que ça s'anticipe bien avant, on l'a sorti en juin. C'est quoi, c'est un an avant, déjà en 2000, avant le Covid, donc avant fin d'année 2019, on avait déjà tout préparé, quoi. Donc c'est vrai que ça nous est un peu tombé dessus, donc ça veut dire réunion de travail en visio, c'était plus compliqué, même le maquettiste, ça nous a fait prendre pas mal de retard au départ, mais je ne vais pas tout mettre quand même sur le compte de la Covid, parce qu'on n'a pas trop mal géré cette partie-là. Ce qu'il y a après, c'est qu'il y a pas mal de temps qu'on n'avait pas forcément calculé, qui ne dépend pas de nous. Parce que nous, on peut se mettre au travail, nous en allons, on avance. Mais il y a des délais pour les illustrations, il y a des délais pour le maquettiste. Ça nous a pris énormément de temps. On a fait la maquette, on a voulu vraiment le suivre. Donc, on était à chaque seconde avec le maquettiste pendant qu'il maquettait, soit l'un, soit l'autre. On a fait ça toujours en duo avec le maquettiste. Il n'a jamais travaillé seul, finalement, pour vraiment avoir quelque chose qui nous convienne. Et puis après, il y a tous les délais où on a pris aussi pas mal de temps d'impression, de transport, ont eu des aléas. On a perdu un éditeur au passage. Des petits aléas qu'on n'a pas forcément calculés. On avait un éditeur au départ qui n'a pas fait le deuxième bouquin finalement, donc on a dû retrouver ça un peu en urgence aussi. J'avais vu dans les news passer, effectivement. Voilà, donc on a eu des imprévus et des temps incompressibles où le deuxième éditeur nous dit « moi, ce ne sera pas avant 3 mois, et puis que je lancerai votre projet, et puis là, ça va me prendre un mois, puis après, je vous l'expédie. » Ça. Et donc, on prend facilement 6 mois qu'on n'avait pas prévu, nous. Et du coup, c'est vrai que c'est mis bout à bout, et bien ça allonge le temps, et on finit avec bien un an et demi de retard. Pour être aussi tout à fait honnête et transparent, parce que je pense que c'est intéressant pour ceux qui écoutent justement et qui se posent ces questions-là. Quand je disais tout à l'heure que c'est une course de fond, c'est que parfois on est très rapide sur certains sujets, ça va vite, ça avance vite. Et puis parfois aussi, moralement, on est fatigué. C'est-à-dire que y a des moments où il y a des coups de mou, vraiment. Pour autant, on est toujours à 200% sur le projet. Moi, j'ai passé des soirées parfois où j'écrivais 10 lignes, alors que j'aurais dû en écrire peut-être 10 fois plus. Et j'étais pas satisfait de ce que je faisais, quoi. Et donc, c'est une soirée que tu pour autant, tu y as passé plusieurs heures. Mais tu prends du stress en plus. Tu prends du stress et tu n'es pas satisfait de ton contenu. Et du coup, pour te renouveler un peu, moi, c'est comme ça que je le faisais, mais je pense que ça nous est arrivé vraiment à des moments différents entre Adrien et moi. C'est-à-dire que il y avait des moments où Adrien, il me disait, faut que je pose un peu parce que là, il me faut un peu d'oxygène. Et moi, c'était moi qui le boostais. Et derrière, c'est moi des fois qui avait un coup de mou et Adrien me disait, allez, Romain, on avance, on se fixe une réunion. C'est important de le faire au moins à deux, je pense. Tout seul, honnêtement, je ne sais pas si on sera arrivé au bout du projet, ni lui, ni moi. On a eu besoin d'être reboosté de temps en temps. Et pour autant,
C'est un vrai plaisir, mais voilà, on était un peu, on voulait pas faire quelque chose de mal fini ou sur lequel on serait pas content de ce qu'on avait sorti. C'était vraiment important pour nous. Donc voilà, c'est sans doute Dystopie n'est pas un jeu parfait, mais pour autant, je suis très fier du travail qu'on a réalisé et je remercie en live parce que des fois, on se le dit pas trop entre amis d'enfance, mais moi, je suis fier de l'avoir fait avec mon copain. Ouais. Voilà. Bien sûr. C'est vrai que c'est toujours plus, enfin, c'est encore plus sympa, quoi, j'allais dire, hein, effectivement. Mais du coup, quand vous aviez donc proposé le jeu, tout n'était pas complètement écrit ni complètement mis en forme. C'est pour ça aussi, du coup. On avait Origine qui était bien écrit, dans la tête, qui était bien écrit, et puis bon, tout dans la tête, mais pas entre Omniscience, non. Donc il a fallu, et on n'a pas, alors on a eu Origine en plus, on a eu du retard, mais il y a aussi ça, il y a eu un parti pris. On s'est vraiment posé la question, on a eu Origine assez tôt, bien plus tôt que la livraison finale en tout cas, mais on ne voulait pas commencer à livrer ceux qui avaient par exemple que pris le premier bouquin sans prendre l'autre, on voulait livrer tout le monde en même temps. Et oui, c'est puis là, on a eu l'imprimeur. Et du coup, c'est vrai que donc, un peu tout a pris du retard sur le deuxième, et qui lui n'était pas complètement bouclé, effectivement, au moment du lancement. Parce qu'on voulait savoir, est-ce qu'on pourrait aussi, le financement particulier, comme on disait, on n'était pas sûr de pouvoir sortir vraiment les deux bouquins avec le volume d'illustration qu'on voulait, etc. Ouais. Et donc, Omniscience, on l'avait laissé de côté, peut-être en disant, ce sera peut-être un lancement participatif avec Origine, et Omniscience sur un deuxième, si vraiment on n'y arrive pas. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au départ, on avait vraiment en tête Origine, et pas Omniscience. Donc ça aussi, ça, c'est un délai. Et puis tout, hein, on ne pense pas forcément, mais aussi pour expédier les livres. Il y a une tension. Clairement. On a changé effectivement d'imprimeur parce que ça ne s'est pas bien passé au départ avec celui avec qui on avait travaillé. Et puis, un vrai parti pris aussi, c'est qu'on voulait du 100% français. Je vais vous le demander justement. Ouais, on voulait faire travailler un maximum d'artistes français, d'illustrateurs. On voulait imprimer en France. On voulait faire un peu de cocorico d'une part pour l'empreinte carbone en se disant, d'une dystopie, on va essayer de faire avec un des circuits courts et puis justement un peu préserver, faire en sorte que la dystopie n'arrive pas entre guillemets. Mais c'est pas tout de suite. C'est à notre échelle, quoi. C'est un clin d'œil, mais quand même c'était important pour nous. Et on s'est rendu compte que c'est compliqué. Et c'est très impactant. Oui, c'était un choix qu'il a fallu assumer. Ça a été un choix financier parce que on s'est rendu compte que pas le même prix. C'est pas du tout les mêmes prix. Ces problématiques-là, on les mesurait pas. Et là, si c'était à refaire, je pense qu'on aurait attendu un peu avant le financement participatif, avant de le lancer. Mais c'est toujours délicat parce que il faut aussi de la trésorerie pour avancer. Quand est-ce que je sors le projet? Parce que si on veut présenter vraiment quelque chose qui puisse attirer et qui puisse satisfaire, par exemple, des personnes qui soient curieuses de se lancer dans l'aventure, il faut quand même des visuels qui soient sympas. Il faut avoir quand même, je pense... Faire des avances, Bien l'histoire en main. Un financement participatif, c'est un gros coup de main, mais pour ceux qui voudraient se lancer, c'est pas une fin en soi. Il faut aussi qu'ils prévoient que nécessairement ça va leur coûter de l'argent en parallèle. Alors on peut le faire avec des moyens restreints, mais il faut faire attention. Un financement participatif peut avoir un très grand succès, comme un succès mitigé, mais une fois qu'on a bouclé l'objectif, faut bien le définir aussi. Des fois, on peut être tenté de se dire, je mets un petit budget pour réussir mon financement. Mais attention, parce que... Derrière, il faut assumer financièrement tout seul aussi. Quoi. C'est ça. Et puis, les coûts, on ne les maîtrise pas. La preuve en est, on est rentré dans une période, je pense que tout le monde s'en rend compte, d'inflation assez importante. Les prix ont bien augmenté. Et ça, c'est des surprises que personne ne peut, entre guillemets, anticiper ou maîtriser. Donc c'est tous ces petits paramètres-là. Mais si moi j'ai un conseil à donner aux gens, si vous êtes passionné, que vous avez envie, l'envie d'avoir envie, quoi, c'est la meilleure des choses. Ah non,
Voilà, ça y est, la chanson est dans la tête. Je ne te remercie pas. C'est terrible. La vraie dystopie, elle est là. Commence maintenant. Désolé, pardon. Ouais, je vais te sortir du libéré délivré, tu vas voir. Voilà, c'est fait. Ouais, je sais, je suis comme ça. Ne me remercie pas. Et voilà, non, mais j'ai deux filles, alors je connais. Mais... Bah oui, c'est pour ça. Ouais. J'avais bien compris. Une petite question, justement, parce que bon, voilà, les aléas sont là, mais je pense qu'il y a aussi le soulagement que tout ait été livré. Alors, j'ai deux questions qui en découlent. C'est premièrement, est-ce que vous êtes super content ou vous auriez aimé plus sur la gamme telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est sortie, ouais, enfin, physiquement. Et la deuxième, elle va me revenir. Je te laisse sur la première. Ouais, oui, c'est déjà pas mal, ouais. Moi, je dirais que c'est délicat. Premier regret qu'on a, c'est la couverture souple pour origine. Mmh. C'est le plus gros regret qu'on puisse avoir. D'une part, pourquoi ? Parce que en France, c'est compliqué d'avoir de la couverture rigide. Ça n'existe pas. La reliure n'existe pas. C'est ça. On a perdu a priori ce savoir-faire. Alors attention, sous réserve. Hein. Peut-être que d'autres trouveront et que nous on n'a pas trouvé. Mais ouais, il y en a qui le font, mais c'est à petite échelle, hein, en fait. Ça se fait, mais ouais. Trois bouquins, enfin pas. Et donc ça c'était compliqué, c'était vite beaucoup plus cher, et donc on a mis un très gros budget illustration nous sur les livres, et du coup on pouvait pas se permettre après d'imprimer en France et en rigide. Ça nous revenait vraiment trop cher, on n'avait pas le budget pour, et ça c'est une déception parce qu'en fait le livre il fait quand même 400 pages et on aurait rêvé en fait d'avoir un livre en couverture rigide vu le volume. Voilà, ça, du coup, ça peut le rendre un peu fragile quand on le manipule trop longtemps. C'est un peu l'inconvénient. Donc ça, vraiment, si c'était à refaire, ben on provisionnerait et on ferait de la couverture rigide sur un format 400 pages A4. Voilà, faut éviter le souple, je pense. Et puis sur la deuxième partie, je dirais omniscience. Peut-être qu'on a on a maquetté un petit peu différemment, on a tout petit peu changé certaines choses. Je pense qu'on l'a affiné, qu'on l'a rendu peut-être encore plus joli, mais non, le reste, il y a des petites coquilles, hein. malgré les milliers de relectures, voilà, on a beaucoup relu, mais il y a des petites coquilles quand même qui restent. Je pense que même les pros, hein, ils arrivent à faire de la coquille, hein, des fois. Ouais. Ça va, on les traque bien, nous, à force, on a l'habitude. mais c'est vraiment, c'est minime. Enfin, le travail est quand même plutôt bien fini, à mon sens. Enfin, je pense que Adrien sera d'accord avec moi. C'est plutôt soigné. Et où est-ce qu'on trouve Dystopie si on veut se le procurer ? Parce que vous êtes livre souscripteur, est-ce qu'on peut le trouver dans certaines. J'ai vu qu'il y en avait sur Philibert a priori. Voilà, il y a sur Philibert. Si on va online sur Philibert, il y a des exemplaires Dystopie disponibles. Mm-hmm. Nous, on a notre site internet où on fait la vente. Nous devons refondre le site internet. On va le refaire. Hein, voilà. Ouais. C'est l'objet, c'est la prochaine réunion d'ailleurs qu'on doit faire ensemble. C'est la refonte du site parce que il est un peu il faut absolument qu'on lui mette un petit coup de neuf. Je pense qu'on mettra aussi la possibilité aux gens par la suite de le commander en direct parce qu'il nous reste un peu de stock quand même. Mmh. Donc ceux qui veulent se le procurer peuvent tout à fait nous contacter directement. D'ailleurs certaines personnes l'ont déjà fait. Après on envoie en chrono 48 heures plus tard, c'est à la maison, mais on n'a pas encore de plateforme de paiement sur le site. On n'a pas travaillé, alors bon, c'est compliqué parce que ça demande quand même beaucoup de travail aussi de contacter des boutiques par exemple, des distributeurs. C'est vrai que cette partie là pour le coup on l'a pas travaillé, on l'a un peu occulté pour le moment. Des échanges, mais voilà, pour l'instant on n'a pas concrétisé. Notre priorité absolue, c'était de livrer les contributeurs. Quoi. Ça devenait obsessionnel. Donc en fait, on a vraiment mis le paquet pour livrer. Et après, là maintenant, on va rentrer dans la phase, je pense, de commercialisation. Parce qu'en fait, pour le moment, il n'a pas véritablement été commercialisé jusqu'à présent. Oui,
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, de voir distributeurs, boutiques et autres partenaires pour pouvoir diffuser ce qui vous reste. Ouais. Ben, justement, ouais. On arrive tout doucement, gentiment, vers la fin de notre petit entretien. Sur l'avenir de la gamme, vous disiez que vous aviez envie d'écrire d'autres choses. Mmh. Est-ce que, alors déjà, premièrement, qu'est-ce que ce serait ? Sans trop rentrer dans les détails, comment vous l'aborderiez en termes de financement participatif ? Cette fois-ci, tout est écrit avant pour éviter justement ce qui vous est arrivé auparavant. Et de réfléchir si vous pouvez réimprimer du bouquin de base aussi. Comment ça va se passer tout ça ? Vas-y, allez. Voilà. Pour la suite, donc, nous, on a déjà on voudrait faire un PDF sur les royaumes d'acier. Qui est prévu. Alors, il sera en PDF initialement, peut-être imprimé plus tard, mais en tout cas déjà disponible pour les joueurs, les contributeurs. Et l'ouverture qu'on a sur Dystopie, c'est de faire justement peut-être le canevas de la deuxième campagne comme on a fait la première. Parce que la première, elle peut se terminer de multiples façons. Là, on prendra peut-être un parti pris pour donner un point de départ. Et puis pareil, c'est de créer une suite parce qu'on l'a déjà en tête et donner ça aussi aux omniscients qui voudraient continuer sur cette lancée d'une deuxième campagne qui ouvrirait encore un peu les possibilités, encore un peu plus dans la politique telle qu'on l'a imaginée nous, du jeu. Globalement, dans notre tête, après, bien évidemment, tout dépend du compteur, ce qu'il va en faire et comment il va lancer ses propres campagnes, parce que nous, on est les premiers, nous, à titre personnel, quand on prend des campagnes, des fois, à s'en écarter après et puis à partir sur d'autres choses. Mais on a les deux prochaines campagnes dans la tête. Ouais. Ce serait, je dirais, qu'univers dystopie, si on reste sur le parti pris que les joueurs peuvent vraiment avoir de fortes implications sur l'univers, ça se bouclerait en trois campagnes. Donc la première est sortie, il y en aurait deux autres, je pense que ce serait très très complet parce que ça nous permet au travers des campagnes aussi de faire découvrir d'autres secrets, d'autres choses. De développer l'univers. Ouais. Exactement. Donc quand bien même on ne suit pas forcément la campagne, à travers d'une campagne, il y a quand même des éléments, je pense, des sources d'informations et d'inspiration qui sont pas négligeables. Pour donner plein d'infos, plein de... Donc, ce serait, voilà, je pense, effectivement, on serait là-dessus. Et puis, on a un projet auquel on travaille, c'est Émeute. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on a commencé un petit peu à présenter lors de la convention Octogone, parce que les gens nous posent des questions sur le sujet, donc ça nous permettait un petit peu d'en discuter, mais on n'a pas trop dévoilé encore ce projet-là, véritablement. Ce serait un jeu vraiment d'action qui se déroulerait une forme de préquel, en fait. Quelque chose qui se déroulerait aux alentours des 2100 à peu près. Et qui permettrait de jouer des personnages qui se révoltent, contre une société qui ne leur convient pas. Alors, on n'est pas forcément dans les clivages sociaux que l'on peut connaître, nous, par exemple, à notre époque. C'est un peu plus profond, c'est-à-dire que l'humanité est véritablement manipulée. Donc, l'humanité avec un grand H. Les joueurs, eux, et là pour le coup, il n'y aura pas de souci d'intégration. C'est une équipe, une cellule en fait de résistants pour libérer en fait l'humanité du joug dans lequel elle est tenue. Donc sans en raconter trop, c'est quelque chose qui colle parfaitement avec l'historique de dystopie qu'on a créé. Ouais. Mais qui peut forcément aussi se prendre de façon complètement indépendante. Le système de règles s'en rapprochera un petit peu, mais sera plus allégé. On veut quelque chose de vraiment action, pulp. Format plus restreint. Voilà. Ok. Donc c'est quelque chose au travail et il y aura sans doute, je pense, un financement participatif in fine. Mais pas tout de suite, bien plus tard. Il sera par contre bouclé. Je pense qu'on va l'écrire complètement, entièrement. Pour vraiment avoir juste ce délai, des délais qui sont incompressibles, en fait, qu'on aura l'impression. Ouais, pour mieux maîtriser tous les délais, etc. Pour ne pas se faire avoir sur des petites choses. Bon, là, on a du coup récupéré. Il y a toujours des aléas, mais ce sera un peu plus maîtrisé parce que on a l'expérience écrite et sera là. Maintenant, on sait ce qui peut être long et les difficultés que ça peut engendrer. On l'a vécu, donc.
L'objectif étant de s'améliorer, hein. Tout bonnement. on le souhaite, hein, clairement. non, mais voilà, c'est aussi ce qui compte, c'est que vous soyez content du bébé. Et justement, une petite discussion, mais sur les retours des souscripteurs, des joueurs avec qui vous avez testé ça, etc. Mmh. Comment ça se passe, ça, de ce côté-là? J'ai eu que des bons retours. On va pas s'en mentir, vraiment des très bons retours. On a même des joueurs très investis. Il y en a même qui nous a écrit des scénarios. Tu es en train de perdre ta voix, Adrien. Ouais. Hein? Des scénarios, presque. une campagne. C'est un joueur qu'on avait rencontré à Octogone au départ, avec qui j'avais maîtrisé une partie avec lui. Puis il a pris le bouquin, il l'a lu dans la foulée, puis après il a maîtrisé sa campagne. Sans attendre omniscience d'ailleurs, parce qu'il avait co-origine à ce moment-là. Je crois même qu'il avait créé son personnage dans la nuit pour venir jouer à la partie. Ah ouais, à fond. Il est venu nous voir au stand, il a pris le bouquin, puis il a créé, voilà, et puis on a fait la partie le lendemain. Et cette personne, du coup, très investie, elle a même écrit des scénarios qu'on mettra avant de faire un. Il y a d'autres personnes qui nous ont proposé d'écrire des scénarios pour dystopiques, des joueurs en fait, hein, au départ, de convention, qui ont vraiment accroché. Et du coup, on voulait peut-être faire même peut-être un petit espace sur le site avec les scénarios des contributeurs, des joueurs. C'est ça, ouais. Parce que ça, il y a de la créa qui s'est faite et bon, surtout moi, ce qui m'a, parce que c'est un projet qui a pas des fins forcément commerciales au départ, hein, c'est pas du tout ça le principe, c'est vraiment de se faire plaisir et la bienveillance, quoi, des gens, quand ils l'ont lu ou quand ils se sont intéressés au projet, avoir le plaisir de répondre aux questions souvent très pertinentes sur l'univers, sur des petites subtilités, l'envie de découvrir les secrets, c'est fantastique. En fait, c'est le meilleur retour qu'on a, c'est celui-ci. C'est l'intérêt que les gens ont quand ils sont rentrés dedans. Ils avaient lu le premier bouquin, ça n'était pas le deuxième, et puis ils nous posaient des questions, alors, en visant juste, en plus, très, très pertinent, la question. Donc, ouais, on a des super retours. Après, moi, je ne suis pas contre des critiques positives, hein, c'est tout, comme pour tout, ça permet de faire d'avancer. Mais globalement, c'est vrai qu'on est chanceux pour le moment. J'ai envie de dire, c'est que de la bienveillance, quoi. C'est top, hein, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Hein. Parce que après tous ces aléas, il va sortir enfin le bébé et puis de voir qu'il y a les retours positifs qui arrivent. Parce que on en discutait il n'y a pas longtemps, mais justement dans la rubrique process, hein, qu'on avait fait avec Odonata Edition, il disait qu'une des problématiques des financements, c'est le silence une fois que tout est sorti. C'est-à-dire qu'il faut arriver à accepter aussi que pendant un moment donné, bah, voilà, le truc est sorti, t'es content, puis. Et puis, il faut attendre avant les premiers retours, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est vrai que on s'est posé la question parce que moi, j'étais très impatient d'avoir des retours. C'est vrai que quand on donne son bébé, entre guillemets, le bébé sur lequel on a travaillé depuis longtemps, on a hâte d'avoir un peu le retour. Et Adrien m'a justement fait cette remarque-là que j'ai trouvé ultra pertinente. Ça m'a même estomaqué. C'est qu'il me dit, mais toi, Romain, quand t'as vraiment aimé un jeu, est-ce que tu contactes l'auteur pour lui dire que tu as vraiment aimé? Et là, j'ai eu un petit blanc et je me suis dit, c'est vrai que, non. Pas spécialement, quoi. Tu joues. Et du coup, ça m'a un petit peu calmé. J'ai dit, oui, mais c'est vrai, tu as raison, en fait. C'est aussi normal de ne pas avoir tout de suite des retours. Et en convention, par contre, on s'est rendu compte, c'est là qu'on rencontre le public physiquement. Et les vrais retours, on les a souvent là. Les gens viennent spontanément nous voir pour dire « J'ai le bouquin, je maîtrise, j'ai joué ça. » Enfin, ouais. Là, c'est génial. Hein, pour discuter, Ce qui rend les conventions passionnantes, du coup, de surcroît. Ouais, parce que moi, je vous avais croisé à Octogone 2022, pas cette année, l'année d'avant, où c'était pas encore sorti, mais il y avait déjà du monde qui passait, qui était curieux, qui se renseignait et tout, donc c'était vraiment cool, quoi. Ouais, et puis on a été bien reçus, quoi. Patrick, encore une fois, big up, parce que. C'est grâce à lui. Franchement, moi, je. Voilà, ça fait partie aussi de la bienveillance des gens, quoi. De dire, écoutez, moi, ça me fait plaisir de vous recevoir à mon stand, je vous laisse une petite place et votre projet, il me plaît bien. Moi, j'ai envie de dire, si demain on peut faire ça pour d'autres. C'est des moments comme ça qu'on des cadeaux qu'on reçoit qu'on a envie de rendre par la suite, quoi, et on se dit c'est des choses qu'on voit effectivement, hein, où tu as des regroupements de
petits éditeurs et autres, enfin, quand je dis petits, c'est pas péjoratif, hein, bien évidemment, non, hein, mais je te parle en taille de structure, hein, quoi, hein, de structure éditoriale, qui se regroupent justement pour tenir des stands, pour avoir du stock ensemble, etc. Donc, non, c'est vrai que c'est super cool. Déjà, tu le vois sur l'ambiance du stand, et puis pour toi, c'est plus facile parce que tu sais où tout le monde se situe aussi, tu vois. C'est, en visiteur, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est pratique aussi, quoi. Ouais. Donc, du coup, où est-ce qu'on pourra vous croiser pour tâter un peu de la dystopie? Alors, la prochaine fois, ce sera au Fige. D'accord, vous serez à Cannes aussi. OK. Mmh. Et bien, à côté d'OBA Édition, on va prendre un stand côte à côte, volontairement, parce que justement, ça s'était bien passé Octogone, et puis voilà, on s'entend bien, donc c'est toujours plaisir de les revoir, toute l'équipe d'OBA. Et puis, parce qu'aussi, c'était on a quelque chose, on s'est quand même dit, on vit dans le sud de la France, le Fige existe, il est c'est quand même un événement assez incroyable. Et, oui, c'est le deuxième en Europe. Hein. Voilà. Donc, salut, Upside. Ouais. Ah oui, salut. Oui, c'est dans le chat, oui, pardon. Oui, salut. Je n'ai pas dit bonjour. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bah, faut le faire, quoi. Ne serait-ce que pour se dire, voilà, on aura fait le Fige de Cannes. C'est une expérience qui tenait à cœur. Donc, on sera au mois de février à Cannes. Voilà. Bah, écoute, on s'y croisera avec grand plaisir, hein, puisque l'équipe y va, hein, normalement. Enfin, en tout cas, moi, j'y serai. Bon, un petit freeze, mais tout va bien, vous nous entendez de toute façon, donc tout est sous contrôle. Ah, c'est l'excès de charisme, en fait, qui fait que ça freeze, c'est pour ça. Et ouf, voilà, on n'en peut plus. Ça sature après. C'est ça, ouais, on n'en peut plus. C'est les filtres de lumière, il y en a trop. C'est oh là là, oh là là. Est-ce qu'on est mis un peu divine au-dessus de nous? Tu as un très beau grain de peau, d'ailleurs, je trouve. Hein, je tenais ça, c'est la 4K qui fait ça. Ah ben, voilà, trop de charisme, encore une fois. Que veux-tu? Ouais, donc du coup, on se croisera au Fige à Cannes, et puis il y aura d'autres festivals. Donc, je vais attendre que ça défrise à nouveau. Voilà. Oui, non, je disais, donc il y aura d'autres festivals aussi où on pourra se croiser, où vous pourrez croiser donc les gens qui sont intéressés par dystopie, voilà. Puis de voir effectivement aussi, parce que pas loin de chez nous aussi, on fait Toulon. Oui. Voilà, le festival au Palais Neptune, il y a un étage IDR justement. Ouais, où avant il y avait l'ancêtre de la Japan Expo. Oui, exact. Tout à fait. C'est vrai. Oui. Donc ça, et puis voilà, c'est les principaux. Puis Octogone, on a pris goût à Octogone, on en a fait deux, on fera probablement un troisième. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que je vois Sloppy qui parle de Troll et Légendes à Mons, en Belgique. Ah oui, alors, Troll et Légendes, ouais, c'est vraiment top. Enfin, moi, j'ai découvert cette année. J'y retourne cette année. Parce que c'est rarement vu dans un espace aussi grand, hein, quand même, qui est dédié à la base fantasy, mais tu as tous les univers d'imaginaire. Et tu as la BD, la littérature, et tout l'univers des jeux et tout l'artisanat, et tout est mélangé avec de la musique en plus. Enfin, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment multipole et il n'y a pas vraiment t'as pas de séparation trop importante entre les différents pôles. Si peu. Et c'est quelle période? C'est fin mars. Tout fin mars. D'accord. Ouais, je crois que c'est 29 au 31 mars. Si je dis pas de Sloppy, tu me diras si je me suis planté ou pas, mais il me semble que c'est ça. Mais les trois légendes, ouais, je crois qu'OBA y était. Il y avait Donata, non. Enfin voilà, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient. Il y avait Black Book et Agathe. Ouais. Aussi. Mmh. Voilà. Ah, oui. Donc ouais, non, c'est un chouette festival. Et franchement, on s'y éclate. Hein. On regardera ça. Après, si on y va cette année, je pense que ce sera en public, hein, parce que les festivals, généralement, vaut mieux les anticiper quand même. Hein. Ah oui. Ouais, surtout celui-là, il est quand même très réputé, donc je pense que les réservations, ça doit être chaud patate. Ouais. Vous pouvez toujours voir avec Patrick comment ça s'organise. Hein, moi, je vous laisse gérer entre vous. Hein. Je lance le truc, là, tu sais, pouf, allez. Voilà. Ah oui, bon bah, écoute, on va s'accrocher à la caravane, quoi. Non, non, mais c'est vrai que c'est cool. En plus, voilà, si t'aimes en plus la musique. Parce que c'est très orienté médiéval, folk médiéval, néo-médiéval, etc. Donc ouais, en plus, ça bouge bien, quoi. C'est vraiment sympa. Ouais. Et c'est sur 3 jours? Ouais, c'est sur 3 jours, du vendredi au dimanche, effectivement. Ouais. Parfait. Puis bon, il y en a plein d'autres, Kaisersberg, et j'en passe, et des meilleurs. Rien, il y en a plein, de toute façon, sur la France. Donc,
Mais c'est vrai que donc, maintenant, il y en a pas mal de festivals, et ça, c'est super. Ah, oui. Ouais, voilà, c'est ça, du 29 au 31 mars. Donc, effectivement, donc, les festivals qui font du jeu, il y en a à peu près. Nous, on a essayé de les répertorier tout au long de l'année, hein, sur un décembre. Tu dois osciller entre. Alors là, non, hein, depuis un mois, il n'y a plus rien, ce qui est normal. Deux, trois semaines. Tu oscilles entre 5 à 15 festivals de jeux par semaine. Prêt ? Ouais. Sur la France. C'est sans compter le littéraire. Hein, parce que des fois, dans les festivals littéraires, tu as aussi du jeu. Ça fait pas mal, mais la limite, après faut le faire à plein temps, quoi. C'est... Ouais, c'est ça. C'est... on pourra vous filer l'adresse de Globetrotter, rôliste qui font tous les festivals quasiment. Chambre d'hôte pour rôliste. Ouais. Donc voilà. Donc, du coup, j'en profite, je fais un bisou. Je fais un bisou à Sylvain pour Elestria. Ah, voilà, grâce à toi, on connaît quasi tous les festivals de France. Incroyable. Ouais, j'en profite vite à parté parce que on l'adore, donc voilà. Bah oui, tu peux hein. Et puis c'est un peu toi qui invite, hein, donc quand même c'est nous qui invitons, je suis pas tout seul, hein. Deux autres sont absents ce soir d'ailleurs, Antoine, Manu, hein, voilà, les salut, bisous salut. Allez, oui, on aura l'occasion de se croiser tous à Cannes de toute façon. Mais avec plaisir, ça sera super. Et ben écoute, on arrive tout gentiment, hop, au mot de la fin, tranquillement. Déjà, pour vous remercier, parce que enfin, on a réussi enfin à se choper, ça y est, c'est bon. Ouais, non, mais c'est cool. Puis de toute façon, on aura l'occasion de rediscuter et tout, parce que c'est vrai qu'on était très très fans de Dystopie, hein, d'où toutes ces émissions, hein, qu'on avait faites. Donc, très content de quelque part de boucler la boucle avec vous, en attendant de voir les bouquins, puis de se croiser, de rigoler ensemble. Donc, je vous remercie à nouveau tous les deux d'avoir consacré un peu de temps. Je sais que c'est pas évident avec la vie de famille. Hein. Compliqué. Ouais, merci à toi. On a décalé un peu l'horaire, on a essayé avant les fêtes, c'était un peu compliqué. C'est pas du tout un problème. On va se casser. Un grand merci. Voilà, bah je remercie tout le monde dans le chat. Et là, cette fois-ci, je le redis. Donc, cette vidéo sera rediffusée sur YouTube dès demain avec chapitrage, les liens qui vont bien. Comme d'habitude, on vous rappelle, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, la petite cloche pour savoir par les petites notifs qui vont bien quand il y a des nouvelles vidéos. Et puis, bah, écoutez, si vous êtes sur Twitch, si vous avez envie de lâcher de temps en temps un petit sub ou autre, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Hein. Voilà, ça nous aide aussi un petit peu à payer l'abonnement de la plateforme de stream. Ouais. Hein, voilà, au moins ça. Et bah, écoute, il nous reste à vous remercier et puis à vous souhaiter une excellente soirée. Voilà. Et comme on est le soir, on va se dire au revoir, comme disait l'autre. Au revoir. Toujours avec solennité. On est comme ça. J'adore. C'est propre. On ne fera jamais, que veux-tu. 80. Allez, ciao. Merci à tous. Merci. Salut. Et puis de bonnes fêtes à tout le monde. Ouais, passez de très bonnes fêtes. Demain soir, c'est Antoine en stream. Et puis on verra pour nous. La semaine prochaine, normalement, on se fait un live de nos petits coups de cœur de l'année. Voilà. Ouais, ouais, bon. Ce sera fait. Ouais. Voilà. Okay, ciao, à bientôt. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao.